À tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Et je sais, excusez-moi de ce retard totalement sur les vidéos. Et en commençant la vidéo, je vais vous dire que maintenant il y aura une vidéo de lecture manga toutes les deux semaines. Et si vous voulez savoir sur des mangas que j'aurais potentiellement lu mais que je vais pas forcément présenter, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram mangaloves35, où là je mets soit dans ma story, soit en publication ce que je lis. Voilà, mais sur aussi mon Twitter où je laisse une trace de mes avis de semaine, mes 4 ou 5 dernières lectures, je les présente. Voilà. Ça peut être 2 tomes après, par exemple si je parle de Black Clover, ça peut être 2 tomes après le tome 5 que j'ai présenté. Voilà, je présente ensuite le tome 7, voilà. Ou le tome 8, voilà. On commence tout de suite. Owari no Seraph, tome 7 de Takeya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya. Donc ce tome a été clairement sympathique et bonne surprise pour moi. Parce que Seraph of the End, je trouve que ce manga est un petit peu long à la détente. Un peu comme un Ajin. Donc là, vous ne le verrez pas, mais Ajin qui est par là-haut. Je trouvais qu'il était long à la détente. Ensuite a commencé à devenir très intéressant. Là, c'est pareil. Là, il y a eu, depuis le tome 5 et 6, c'était pas hyper oufissime. Et là on a un tome qui commence à s'avérer bon à partir de la moitié du tome, où en fait on a l'équipe de Yushiro et l'équipe de Glenn, si je dis pas de conneries, enfin l'équipe où il y a lui, quoi. Ouais, je vous montre 2 secondes focus. Où il y a lui, qui vont faire équipe pour tuer le maximum de vampires à Shibuya, si je dis pas de conneries, à Shibuya, où là il y a en fait pas mal de nobles qui vont se présenter là-bas, dans cette zone-là. Et en fait le but de l'escouade dirigée totalement, donc toutes les troupes dirigées par Glenn, ont pour but d'éliminer un maximum de nobles, car on sait tous que dans un mois il y aura une grosse bataille qui va déferler entre les humains et les vampires. Bon, dans ce tome-là on n'a pas tellement vu Mika, mais ce tome était très bon, sympa. On voit encore la détermination de Yushiro qui veut protéger ses amis, qui a défendu comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Shinoa, voilà, quand ils sont arrivés en retard en disant que c'était de sa faute, que c'était pas la faute de Shinoa, voilà. Bon, on sait tous hein, qu'il y aura fort peut-être une petite histoire entre eux. Bon, bref, on s'en fiche. Et à la fin on a la première affrontement entre on n'a pas trop vu, comme je disais, Mika qui était en train de repenser à Yu, qui lutte entre son côté encore son côté un peu humain et son côté vampire qui commence à de plus en plus déferler sur lui. Voilà, mais qui lutte encore une fois. Et comme j'ai dit, on a l'équipe de Yushiro, donc l'escouade de Shinoa et de l'autre là que je vous ai montré, qui ont trouvé leur premier noble à éliminer. Sauf que finalement ça va pas se passer comme prévu. Qui les a remarqués, et à la fin du tome ça s'annonce un petit affrontement bien sympathique. Donc mais je ne sais plus comment il s'appelle le noble d'ailleurs qui a vu, tiens quelle surprise qui dit ça. Et ensuite il y a Yushiro qui commence à déferler sur je l'ai dit 3 fois, mais qui commence à attaquer ce vampire là et j'ai hâte de savoir si finalement Yu est finalement à la hauteur, ou si finalement ben il n'a pas encore le niveau et qu'il va devoir encore s'entraîner durement pour finalement atteindre le niveau de Mika et pouvoir arriver à le sauver et pouvoir en quelque sorte se venger de ce qu'ont fait les vampires sur lui, sur Mika, sur tous les autres enfants de l'orphelinat Yakuya. Voilà, donc j'ai très hâte de lire le tome 8 et d'en savoir un peu plus
parce que c'est un univers bien sympathique, Seraph of the End. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple avec Black Clover, quand je vous expliquais par rapport à comment allaient se passer les lectures manga. D'ailleurs, c'est la saison 3. Donc voilà, Black Clover, là, je vous parle de Black Clover. Donc, ce tome 6, voilà, que dire, quoi, par le fait que c'était totalement excellent. On a l'arrivée du chef, quelque sorte, de l'œil maléfique qui arrive sur le champ de bataille et qui bat la vieille là, la vieille qui s'appelle Teresa là. Et en fait il va arriver et va avec Valtos vont finalement essayer de tuer Asta, Asta, Gauche et Asta qui finissent par faire vraiment équipe. Voilà, et Gauche qui prend sur lui en disant ouais je vais finalement tous vous sauver, qui commence un peu à changer grâce à un petit peu à la vision d'Asta, grâce un petit peu ça c'est dans les clichés shonen et tout. Ah, que le héros arrive à changer un autre personnage, ça c'est du déjà vu, mais c'est bien sympa. Et on a finalement, je suis très content parce que après un moment là où t'as le chef de l'œil maléfique qui est sur le point de tuer Asta, t'as Yami, donc le personnage, là, le capitaine du drone noir qui arrive et fout totalement la merde sur le champ de bataille. Et c'est tellement ouf, dans ce tome là on le voit vraiment se battre, vraiment pour la première fois se battre à fond, voilà. On apprend beaucoup de choses sur Yami et c'est excellent parce que c'est un de mes personnages préférés de Black Clover. Et ce personnage, quand on le voit en action, c'est tellement fou, mais tellement fou. Même si voilà, on sait qu'il en bat, hein, on sait que l'ennemi en face est très difficile à battre. Et Asta va apprendre en gros une nouvelle technique. Il va suivre les conseils de Yami. Et Asta va finalement réussir à battre Valtos. Et va se faire féliciter par Yami qui finalement qui croit en tous ses subordonnés, qui croit en Asta. Et on a l'affrontement, voilà. Sauf que suite à la défaite du chef de l'œil maléfique, on apprend quelque chose en plus de ce qu'on pensait que c'était. C'est-à-dire qu'on apprend autre chose sur le nouveau personnage. Et t'as trois personnages qui arrivent et ils sont ultra forts, hein, ultra forts. Ils sont même, je pense qu'ils sont plus forts que Yami, ça a été dit. Plus forts que Yami. Et là, t'as quatre autres capitaines qui arrivent. Mais je sais plus hein, les noms des capitaines. Mais par exemple, je vais vous montrer par exemple ce personnage-là, un des nouveaux. Lui, il est dit comme le plus puissant, mais il est tellement stylé, putain. Surtout que t'as les capitaines qui y a les affrontements et tout, et finalement tu les vois après battre en retraite, et t'as à la fin t'as Asta qui se réveille suite à quand il s'est évanoui à la fin de son combat et qui s'est réveillé à la chambre à côté de l'empereur mage et tout. T'as la secrétaire de l'empereur mage qui dit on a besoin de toi pour tirer en quelque sorte des informations sur deux prisonniers qu'on a. Donc on ne sait pas qui sont ces prisonniers, si ce sont des prisonniers de l'œil maléfique, si c'est encore autre chose. Donc des mystères commencent à arriver et c'est ouf, il se passe beaucoup de choses. L'œil maléfique totalement stylé. On voit qu'ils sont très très forts, donc ça va s'annoncer je pense dans peu de temps un entraînement par Asta et tous les autres, mais c'est ultra lourd, je vous le dis. Black Clover c'est peut-être, ouais bon ça se répète, ça reprend du Naruto, du Fairy Tail, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche pas que ça commence à prendre forme, ça commence à prendre son univers à lui, et ça c'est très très bon. Moi je vous dis, Black Clover, il y a l'anime qui est arrivé, je vais bientôt faire une review, mais c'est excellent, je vous conseille vivement le manga qui est excellent. L'anime j'ai pas encore vu donc je peux pas vous dire. Voilà. Platinum End, tome 4, qui ma foi est plutôt sympathique.
On a la fin de l'affrontement entre Metropolyman, Mukaido et Mirai. Je vais pas vous dire comment ça s'est terminé. Mais voilà, et dans ce tome-là, on va suivre plus, comment elle s'appelle, Saki. On va suivre plus Saki qui commence à... On sait pas, elle est pas bien, pas à l'aise. Et on apprend en fait pourquoi, la raison du fait qu'elle ait voulu se suicider, ce qu'elle ressent vraiment envers Mirai. Et voilà, et à la fin, on voit qu'elle commence à évoluer. Un personnage qui commence à évoluer, qui était, voilà, qui faisait pas grand-chose. C'était plutôt Mirai, bon, même si c'est un personnage qui me casse les couilles encore, mais qui pour une fois était bien dans ce tome-là, qui était pas mal. Il m'a pas saoulé pour une fois. Bon, même si il veut toujours pas se battre, il veut toujours pas tuer Metropolyman, même si c'est un gros connard, Metropolyman, Mukaido lui-même, faut que tu tues Mirai. Bon, Mirai il me casse toujours les couilles, mais Mukaido il est tellement stylé. Et t'as Saki qui, voilà, est pas très bien, elle veut dormir, bon, elle est allée dans la chambre de Mirai, et en fait, on apprend que quand on a su que Mirai, ouais, tous les gens se foutaient de sa gueule au collège, et on apprend qu'elle aussi se foutait de sa gueule au collège. Et du coup, ben, Mirai est surpris et tout, mais elle s'excuse et tout, elle regrette ses choix, parce que les soirs, elle rentrait chez elle, elle pleurait, sachant que c'était une amie d'enfance à Mirai. Elle était tout pas bien et tout, et voilà, on apprend des choses sur Saki, sur Mirai, c'est sympa. Après, ce qui est dommage, c'est que l'histoire n'avance pas beaucoup dans ce tome là, donc je m'attends à ce que le tome 5 avance un peu plus, voilà, mais ça reste tout bonnement sympathique, voilà, je vous conseille. Puis à la fin, comment elle s'appelle, l'ange de Mukaido, de lui donner des ailes. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous montrer. Ah oui, avant, je vous montre deux secondes les dessins. Focus, s'il te plaît. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre un stade. Voilà, donc là je vous ai présenté que 3 mangas. Non, je pense que j'ai préféré vous présenter 3 mangas. La semaine prochaine, il y aura encore une vidéo lecture manga. Je vous donne en avance, donc il y aura du Tokyo Ghoul, il y aura du My Hero Academia et il y aura du Fire Punch. Donc restez sur ma chaîne, restez présents. Et voilà, je vous laisse le suspense sur ce que j'ai pensé, ou si vous savez déjà ce que j'ai dit sur Twitter ou Instagram. Mais voilà, 3 mangas, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ou des fois il y en aura 4, mais voilà. Vu qu'en ce moment j'ai pas tellement le temps de faire des vidéos, 3 mangas ça me paraît bien. Voilà. Donc en plus je suis long. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Diane.